Dans la prison de Kinshasa, un détenu politique filme avec une caméra cachée dans la pochette de sa Bible. Il se fait prendre, il peut être exécuté. Il a été condamné sans preuve à passer le restant de ses jours en prison, accusé d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sommes encore là à cause de ce dossier. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans des circonstances jamais élucidées. Depuis lors, les autorités du pays l'ont érigé en martyr et considèrent son assassinat comme une affaire classée. Nous n'y croyons pas et nous décidons de mener notre propre enquête. Le 17 mai 1997, Laurent Kabila devient président de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Il est porté au pouvoir par une armée d'enfants soldats entraînés par le Rwanda. Leur objectif est de renverser le vieux dictateur Mobutu, au pouvoir depuis 30 ans. Partant de l'est du Congo, il parcourt 2000 km à pied jusqu'à la capitale Kinshasa, où Kabila est accueilli en libérateur. Kabila est un révolutionnaire marxiste et l'Occident voit d'un mauvais œil son arrivée à la tête du Congo. Mais il réussit à s'imposer et c'est Nelson Mandela qui accompagne en douceur le vieux Mobutu vers la sortie. La situation devient vite chaotique. Des dissensions éclatent entre Kabila et ses alliés. Le Rwanda, qui a fourni les instructeurs, les armes et les munitions au mouvement de Kabila, espère en recueillir les fruits et participer à la gestion de ce pays aux ressources naturelles immenses. Mais Kabila veut régner seul. Il chasse les troupes rwandaises qui, en réaction, créent un mouvement rebelle dans l'est du Congo, le RCD. C'est le début d'une nouvelle guerre que Kabila n'aura pas le temps de mener jusqu'au bout. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par Rachidi, un ancien enfant soldat qui est devenu son garde du corps. Rachidi a immédiatement été abattu, emportant avec lui la vérité sur les dessous de l'assassinat. Eh bien, nous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001, vous êtes travaillé dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé. Se trouve là, on n'a rien enlevé. Et quand Mzé était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés. Il lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté.
Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzé. Malheureusement, il était armé. Il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici. Et ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas. Une autre ici derrière. Mais vous êtes le seul témoin. Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là? Nous préparions le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là quand l'inévitable est arrivé. Et donc là, Rachidi entre. Ouais. Là, vous le voyez. C'est quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je savais que c'était des gardes-corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi? Vous voyez quoi exactement? Non, il vient, il arrive à la porte, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi? Là, moi, j'étais en train de prendre note. J'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois. La troisième fois, il tire et puis il commence à sortir. Voilà comment ça s'est passé. Et là, je me suis revenu, je ne comprenais rien du tout. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis sorti aussi vers la porte de la paroi où il est entré. Il courait et j'ai crié en swahili, « Urubwana na pigara isi masasi ». Et à un certain moment, j'entends... ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein. Moi, je ne le connaissais pas de nom. Il dit, oui, bon, on a pigara ici, Masasi. Chiribagula, qui est à l'escalier, qui voulait aller attendre vers le garage, il voit l'autre en train de sortir dans la précipitation, semble-t-il, avec son arme à la main. Chiribagula voit aussi monsieur Mota en train de le poursuivre, criant sur lui qui vient de tirer sur le chef de l'État. Chiribagula affirme avoir tiré une balle sur Rachidi dans la jambe et il est tombé. Mais subitement, Eddie Kapend viendra avec Klachnikov pour achever Rachidi. Et Chiribagula affirme même qu'il a empêché Eddie Kapend de laisser-le qu'il parle. Eddie Kapend, dans la colère, d'ailleurs, les questions qui lui étaient posées sur ça, lui-même dit que c'est... Et il avait achevé, effectivement, parce qu'il était dans la colère. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Eddie Kapend est le bras droit de Kabila. Il vient d'exécuter Rachidi l'assassin et lance ensuite un appel au calme à la télévision nationale. Il craint que la rumeur de l'assassinat de son chef ne se propage et qu'un mouvement de panique s'empare de l'armée. Je vous ai donc interdit, vous soldats et commandants, d'user les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne en ce moment. Il n'est donc pas question. Eddie Kapend ne dit rien des événements du palais. Il veut gagner du temps pour permettre à la succession de s'organiser pacifiquement. Vous avez mis des troupes sous votre commandement. Toutes les frontières sont bouclées et seul un avion est autorisé à atterrir, celui du fils du président, le général Joseph Kabila, rappelé d'urgence de la ligne de front pour succéder à son père. Nous avons dû réagir très vite pour essayer de sauver le pays. C'était ça l'objectif. Nous devions sauver le pays de tous les troubles qui pouvaient alors surgir. Notre priorité était de faire en sorte que les hommes politiques ne se lancent pas dans une course à la succession. Il fallait trouver quelqu'un qui ne faisait pas partie du gouvernement. Il fallait aussi trouver quelqu'un qui était proche du président. Et cet homme, c'était son fils. Joseph Kabila est le principal bénéficiaire de l'assassinat de son père. À l'époque, certains l'ont soupçonné d'y avoir participé. Mais personne n'a jamais osé incriminer ouvertement le nouveau président. Par contre, c'est sur Eddie Kapend que vont retomber les principales accusations, alors que jusqu'au bout, il est resté fidèle à son chef, Laurent Désiré Kabila. Lors de ses obsèques, Eddie Kapend ignore qu'il vit ses derniers instants de liberté.
Monsieur le président de la couronne militaire, mon général. Un an plus tard, lorsque s'ouvre le procès contre les assassins présumés de Laurent Kabila, plus d'une centaine de prévenus sont sur le banc des accusés. Eddie Capent est présenté comme le principal suspect. Face à l'accusation d'avoir tué Rachidi, l'assassin de Kabila, il plaide la colère. À l'époque, les exécutions sommaires dans l'armée sont courantes et le châtiment infligé par Eddie Capent à Rachidi ne surprend personne. C'est surtout son message à la télévision qui retient l'attention de la cour et qui est interprété comme une tentative de prise du pouvoir. C'est-à-dire, il a exprimé ce qui était dans son fort intérieur, de manière tout à fait aisée. C'est sorti donc au moment opportun, au moment où il fallait justement prendre les choses en main. Le procureur, Charles Alamba, accuse à tout va, bien décidé à trouver des coupables. Mon général, avec tous mes respects, je n'ai jamais tenté de prendre le pouvoir. Jamais. J'ai fait mon devoir par fidélité vis-à-vis du chef de l'État et personne d'autre ne pourra dire le contraire. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de considérer toute cette loyauté-là comme un sentiment de méchanceté. Il était le bras droit du président. Celui qui, pendant toutes ces années, transmettait les instructions du président à tous les militaires, plus précisément à tous les généraux. Il a dû penser que cela faisait partie de ses responsabilités d'aller s'adresser aux militaires. D'ailleurs, je me souviens que cette nuit-là, il communiquait avec les généraux en poste dans les différentes provinces. Il leur disait de rester calmes, de garder le contrôle de leurs troupes, de ne pas laisser la panique s'installer et que tout était sous contrôle. C'est ce qu'il leur disait. Et personne n'a protesté. Et en fait, je pense que d'une certaine façon, il a aidé le pays. Il a rassuré les militaires en les encourageant à rester confiants et fidèles. Mais dire qu'il a tenté de prendre le pouvoir cette nuit-là, je ne le pense pas. Le colonel Eddie Capend à la barre. La cour le déclare coupable d'attentat contre la vie du chef de l'État, dit ne retenir aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La cour ordonne son arrestation immédiate. Près d'une centaine d'autres prévenus seront condamnés sur la base de simples soupçons, la plupart à mort ou à la perpétuité pour complot, trahison et attentat à la vie du chef de l'État. Parmi eux, Antoine Vumilia, le prisonnier à la caméra cachée. Les principaux suspects sont-ils dans la salle? Peut-être pas pour le juge. À l'issue du verdict, il promet de nouvelles enquêtes. Le procès de l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les enquêtes continueront. Et d'autres procès aussi continueront. La séance est levée. 7 ans plus tard, les peines de mort n'ont pas été appliquées, mais Antoine Vumilia et ses compagnons d'infortune croupissent toujours dans la prison de Kinshasa. Car malgré les promesses du juge, le procès n'a toujours pas été réouvert. Le portrait de l'ancien président du Congo veille sur eux. C'est par là que je reçois des honneurs.
un peu de lumière, mais aussi des eaux de pluie lorsqu'il pleut. Voilà un peu, il n'y a pas de vitre, mais c'est bien renforcé pour que je ne tente pas de me sauver. C'est mon bureau, le bureau d'un condamné à mort. Je ne sais pour combien de temps encore. Vous avez là des auteurs que j'aime bien, Abdourahmane Waberi, Proust, Zadie Smith, Alain Mabakou, et qui d'autre, Céline. J'habite une petite cellule avec deux autres détenus de droit commun. On a dit que je devais être surveillé par cela parce que moi, comme les autres détenus politiques, avons une tendance compulsive à l'évasion. Il suffirait qu'on ait une brèche et on s'évaderait ici même. Voilà. Antoine Voumilian n'a pas encore trouvé le moyen de s'évader. Quant au colonel Eddie Capen, l'ancien bras droit de Laurent Kabila, il reste des journées entières dans sa cellule. Il garde le silence, espérant qu'un jour la procédure sera relancée et que son innocence sera alors établie. Les condamnés de l'affaire Kabila s'entraident pour survivre. Dans cette prison, les plus démunis ne peuvent même pas se payer une cellule. Ils sont entassés dans les couloirs où rôde la faim et la maladie. La classe politique honore la mémoire de Laurent Kabila et garde le silence sur les circonstances de sa mort. Les compagnons d'Obsé Laurent Désiré Kabila, conduits par Papa Hirojia Abdoulaye Tomba, sénateur. Pourtant, en marge des cérémonies officielles, les langues se délient. Le sénateur Abdoulaye Hirojia fut l'idéologue de Laurent Kabila. Les gens qui sont en prison, je ne pense pas que c'est eux. Ils ont porté le chapeau. Et tout. Il était difficile de trouver les vrais auteurs de cette infamie. Mais se mettre à défendre cette cause, que ce n'est pas eux qui ont tué, mais il faut les libérer, il faut avoir la solution de rechange. Alors qui a tué MD, ça, moi je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On ne peut lutter pour les Capen que si on a une solution d'échange. On ne peut pas libérer-les et puis c'est tout. Personne n'a de doute sur l'innocence des prisonniers. Mais alors qui sont les véritables coupables? Que s'est-il exactement passé le jour de l'assassinat? Rachidi, garde du corps du président, entre dans le bureau. Il tire 3 balles sur Kabila qui meurt sur le coup. Rachidi tente de fuir, mais il est neutralisé par un autre garde du corps qui lui tire dans les jambes. Alerté par les détonations, l'aide de camp de Kabila, le colonel Eddie Capend, accourt sur les lieux et exécute Rachidi. Mais Rachidi avait un plan de fuite. Il devait franchir le mur d'enceinte derrière lequel Georges Mirindi, un autre garde du corps, l'attendait dans une voiture. Ne voyant pas Rachidi venir, Georges Mirindi part seul. Georges Mirindi sera brièvement arrêté et avouera avoir participé à l'assassinat. Mais chose étonnante, il réussira à s'évader. Au procès, la cour se contentera de ses aveux actés dans un procès verbal. A comparu le dénommé Mirindi Georges. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du président Kabila le 16 janvier 2001 ? Oui. Comment avez-vous participé ? Je vous donnerai les détails demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Je ne suis pas disposé aujourd'hui à cause de mon état de santé. Pouvez-vous nous donner les noms des gens avec qui vous avez préparé et exécuté cet attentat? Je vais vous donner leurs noms demain. Georges Mirindi promet pour le lendemain des explications sur son rôle dans l'assassinat. Mais au petit matin, il s'évade. Antoine Voumilia était dans le même cachot que Georges Mirindi lors de son évasion. Une nuit, vers 3 heures du matin,
nous voyons un certain Kasongo, Chap Chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement. Il est entré dans le cachot. Nous nous savions bon qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger. Mais il dit ce jour-là, bon, voilà, je vais appeler trois noms. Il appelle trois noms. Le major Bora, devenu général par la suite au sein de la rébellion du RCD. Il appelle le lieutenant Georges Mirindi, qui est devenu par la suite colonel. Il appelle aussi le lieutenant Bahati. Il dit, venez, je vais vous torturer, vous allez voir. Vous avez tué le chef de l'État, et patati et patata. Et à ce qui me semble, Bora était déjà prêt, savait qu'il allait partir, parce qu'il était bien habillé, avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus. Et quand on l'a appelé, je l'ai vu mettre une salopette au-dessus et prendre une petite Bible glissée dans la poche derrière de son pantalon. Ils sont sortis de leur cellule. La porte a été ouverte, ils sont allés derrière la porte. Et nous nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des petits trous, des trous de serrure pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et ils parlaient, les trois, avec l'officier Chap Chap. Alors, quand le directeur de renseignement, Chap Chap, Salomon, s'est rendu compte que nous étions en train de regarder les lorgnés à travers le petit trou, il a dévissé l'ampoule, une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on dira que bon, voilà, ils se sont évadés. Ces jeunes gens qui, semble-t-il, étaient impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés immédiatement. Et alors que nous étions toujours occupés à gérer la situation, quelqu'un est venu et a donné de l'argent aux gardiens, qui ont ensuite laissé les prisonniers s'échapper. D'ailleurs, les gardiens et les prisonniers ont disparu ensemble. Je pense qu'ils sont allés à Brazzaville. Nous avons donc compris qu'il y avait un véritable complot derrière l'assassinat et que tout était fait pour que ces types commettent leur forfait et disparaissent ensuite. Ceux qui ont financé l'évasion de Georges Mirindi sont certainement les commanditaires de l'assassinat. Ils ne voulaient laisser aucune trace derrière eux. Rachidi tué et Mirindi évadé, de nombreuses questions restent sans réponse. Tout d'abord, la question du mobile de l'assassinat. Pourquoi Rachidi et Mirindi, deux gardes du corps de Kabila, décident-ils de l'éliminer? Ont-ils voulu venger la mort de Massassou, leur commandant, assassiné par Kabila? C'est une des pistes suivies pendant le procès. Massassou fut le frère d'armes de Laurent Kabila pendant la Révolution. C'est lui qui recrute les enfants soldats, et notamment Rachidi et Mirindi. Ils sont tous originaires de l'Est du Congo, comme Massassou, et abandonnent leur famille pour le suivre. Mais une fois à Kinshasa, Kabila se méfie de Massassou. Il craint que sa popularité ne lui fasse de l'ombre. Kabila l'envoie sur la ligne de front où son armée se bat contre les rebelles avec le projet de le liquider. Cela se passe en novembre de l'année 2000, deux mois avant l'assassinat de Kabila. N'Gala était un proche collaborateur de Massassou. Ils ont été arrêtés et torturés ensemble. Massassou fut exécuté lors d'un procès organisé sur le champ de bataille. N'Gala condamné à une lourde peine de prison. C'est un environnement d'enfer. Des carcasses de véhicules militaires calcinés, des restes de corps en décomposition, des matières fécales en putréfaction. C'est un désordre indescriptible. On nous fait passer à travers, nous sommes ligotés,
Nous nous éloignons un peu dans une broussaille, à peu près 1 kilomètre. On nous installe sous un arbre. Pour la première fois, depuis le 26 octobre, on nous donne à manger. Quelques biscuits et des haricots en boîte. On appelait là-bas Tomango, venait de Zimbabwe. Deux de nos amis qui ont commis l'imprudence de commencer à manger les biscuits se sont éteints sur place. Mais c'est pas l'instinct m'a poussé plutôt à prendre le jus des haricots, juste pour mouiller les lèvres. Les mâchoires ici ne fonctionnaient plus. On est resté. On a amené des bêches, des pioches. Alors on s'attendait à ce qu'on vienne creuser des tombes pour nous. Ils ont débroussaillé, ils ont installé une tente. Le procès a commencé. C'est le fameux procès qui aboutit à la condamnation à l'exécution de Massasou. Et pendant le procès, on reproche à Massasou de vouloir renverser le pouvoir de Kabila. Massasou se met debout, il dit à tout le monde qui était devant là, mes relations avec Kabila ne dépendent pas de vous. Kabila, c'est mon père. Kabila, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est moi qui l'ai voulu. Si j'ai des problèmes avec Kabila, ça se règle entre lui et moi, pas vous. Et il s'est tu. On l'a traité d'être orgueilleux, d'être têtu. Il s'est tu, il n'a plus parlé. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé devant moi. On est passé sur d'autres considérations. Et puis, le jour du prononcé, on les condamne à mort, on exécute. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à Poueto, la nature a repris ses droits. Le lieu où Massasou fut enterré est recouvert de hautes herbes. En tuant Massasou, Kabila se débarrasse d'un dangereux rival, mais l'exécution va se retourner contre lui. Les fidèles de Massasou ne digèrent pas l'élimination de leur commandant. En plein combat, les militaires déposent leurs armes, sabotent le matériel militaire et abandonnent le terrain aux rebelles et à leurs alliés rwandais. Pour Kabila, qui a mis tout son argent dans la bataille de Poueto, c'est une véritable débâcle. Au palais, la plupart des gardes du corps ont été recrutés par Massasou. Eux aussi acceptent mal la nouvelle de son exécution. Le climat dans l'entourage de Kabila se dégrade et sa sécurité personnelle est fragilisée. Au procès, le procureur Alamba s'est acharné sur une centaine de militaires et de civils originaires de la même région que Massasou. Massasou, avec son groupe, ont réussi à trahir. On réussit à déstabiliser, à démoraliser et même à démobiliser les soldats. Ils seront arrêtés sans aucune preuve, accusés d'avoir assassiné Kabila pour venger la mort de Massasou et condamnés à de lourdes peines. Mais a-t-on déjà vu 100 personnes participer à un complot et en garder le secret? Pour Rachidi et Georges Mirindi, l'exécution de Massasou vient s'ajouter à une série d'humiliations. Les gardes du corps sont maltraités par Kabila et leur salaire est insignifiant. Ils sont censés former le dernier rempart de protection autour de Kabila, mais ils ont perdu toutes leurs illusions. Ils constituent désormais des exécutants parfaits pour quiconque voudrait se débarrasser du président. Bilal Héritier, un homme d'affaires libanais, aura justement des raisons d'en finir avec Kabila. Il a ses entrées au palais présidentiel et négocie ses diamants directement avec Kabila, qui met à sa disposition sa garde personnelle. « Walishkwa Rafika, watu wa vili agoma,
Héritier, le diamantaire, et Georges Merindi, le garde du corps, font alors connaissance. Quelques mois avant de mourir, Kabila a besoin de liquidités pour soutenir son effort de guerre. Il interdit toutes les exportations de diamants et instaure un monopole au profit d'une seule entreprise, Idi Congo, une firme israélienne. Héritier est ainsi exclu des affaires du jour au lendemain. Il y avait la guerre qui était toujours là. Il fallait payer les équipements, il fallait payer les militaires qui étaient au front. D'où devait venir cet argent-là? Donc il fallait développer des moyens pour y aboutir. Et ça, ce monopole était un de ces moyens-là. On vous donne accès à nos minéraux, en échange, vous nous donnez des liquidités équivalentes à l'accès que vous aurez, et nous utilisons ces liquidités pour nos projets. On a dit à Idi Congo, tu nous donnes en liquidité 20 millions de dollars, nous te donnons ces monopoles pour 3 ans renouvelables, et puis nous voyons comment les autres aspects du contrat seront mis en application. C'était ça, faites le contrat. Nous avions comme projet de créer une police spéciale formée par les Israéliens. C'est ça le passage qui avait créé Emmanuel Attal d'autrefois, qui avait pour but justement d'identifier les voies, les fuites là, et de les bloquer afin de maximiser les recettes qui entraient par des voies normales. Donc, au point de vue de ces monopoles, c'était ça le projet. Revenons à nos suspects. Héritier, le diamantaire libanais, exclu par le monopole attribué aux Israéliens, a-t-il aidé les gardes du corps à abattre Kabila? Le soir de l'assassinat, après avoir fui le lieu du crime, le garde du corps Georges Merindi emprunte cette route et se réfugie chez Héritier dans cet immeuble du centre-ville de Kinshasa. Les services de sécurité apprennent que Merindi se cache ici. Ils débarquent dans l'appartement d'Héritier, mais les deux suspects, Héritier et Georges Merindi, sont déjà loin. Furieux, les militaires raflent 11 frères, cousins et voisins d'Héritier qui se trouvaient là. Un des frères, survivant, raconte. La façon dont ils sont venus les arrêter, c'est bizarre parce que le voisin du premier étage nous a dit ils les ont mis dans un camion et ils ont commencé à les fouetter. C'est incroyable. Si au moins ils les avaient interrogés, j'allais accepter cette situation. Mais ils ne les ont même pas interrogés. C'est incroyable. De toute façon, avec leur camion militaire pour quitter la ville et arriver à Ntsélé, là où ils les ont tués, il faut au moins 2 heures pour y arriver en camion. Ils les ont pris, ils les ont mis contre le mur et pam pam pam. Ils ont mis tout le monde au mur et puis ils ont tiré. Tout s'est passé par derrière. Ton frère avait quel âge ? Il avait 22 ans, mon frère. Les 11 Libanais sont exécutés sommairement. En les éliminant, les militaires se privent de toute possibilité d'en savoir plus sur la piste du diamant. Au procès Kabila, les militaires impliqués dans la mort des Libanais ont été poursuivis pour meurtre. Tous disent avoir obéi à des ordres. Je suis allé faire un ordre militaire. Nous sommes en temps de guerre. En temps militaire, je suis allé faire mon travail. Des ordres venus d'où? La question a mis la cour dans l'embarras. Car au moment des faits, c'est le général Joseph Kabila, alors numéro 2 de l'armée, qui était le commandant direct de ces hommes. Pourquoi aurait-il donné l'ordre de tuer les Libanais? Peut-être uniquement pour venger la mort de son père. La cour évitera d'approfondir la question qui pourrait gêner le nouveau président du Congo et condamnera ses militaires à la peine de mort. Quant aux deux suspects en fuite, Georges Merindi et Héritier, ils seront condamnés à mort par contumace. Ils se réfugient au Rwanda, puis dans l'est du Congo, où ils sont accueillis par les rebelles du RCD qui se battent contre le régime de Kabila. Georges Merindi est promu colonel, et Héritier fait prospérer ses affaires sous la protection bienveillante des rebelles qui contrôlent cette région riche en minerais. Ces relations entre les gardes du corps, Héritier, les rebelles et leurs alliés rwandais sont suspectes et laissent penser qu'ils ont pu organiser ensemble l'assassinat. Autre fait troublant.
Le soir de la mort de Kabila, ce sont les services de renseignement du Rwanda qui, les premiers, ont fait circuler la nouvelle. Un de leurs agents a même confié à un diplomate britannique : ce sont nos hommes qui ont fait le coup. Mais ce n'est pas la seule puissance étrangère qui pourrait être impliquée. Les relations entre Kabila et les États-Unis étaient difficiles. Dès le début de la guerre, les États-Unis prennent fait et cause pour le Rwanda. Ils exigent de Kabila qu'il dépose des armes et participe à des pourparlers de paix. Ils demandent aussi une ouverture économique. Mais Kabila, le vieux révolutionnaire, rejette leurs demandes et se tourne vers la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les positions de Kabila auraient-elles gêné les États-Unis ? Les gardes du corps qui ont tué Kabila étaient en contact avec une colonelle de l'armée américaine basée à Kinshasa. Dans les poches de Rachidi, Rachidi abattu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ses poches. Avant, cela avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa. Il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité du chef de l'État ? Point d'interrogation. Il avait été libéré. Il était libéré à l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui les démontraient qu'ils étaient en rapport avec tout cela. Des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des contacts privés qu'ils prenaient, en dehors des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. Ma thèse est la suivante. Ces jeunes gens ont été manipulés par des forces extérieures. Il est étrange que l'attaché militaire de l'ambassade américaine ait pris l'avion pour quitter le pays ce jour-là. Et en laissant derrière elle des indices de sa relation avec le groupe des assassins. Étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous aviez le nom de l'attaché de défense de l'ambassade américaine ? Oui. Il y avait des indices qui prouvaient qu'elle était en relation avec ces jeunes gens. Elle connaissait leur nom et elle leur avait laissé un message. La commission d'enquête a mis la main sur ce papier. Quel morceau de papier ? C'était sa carte de visite. Au dos, elle avait écrit « S'il vous arrive quoi que ce soit, contactez cette personne ». Et elle a laissé cette carte à l'un des gardes du corps. Étrange. Et vous aviez trouvé cette carte de visite ? Oui, la commission l'avait. Ce sont sur ces éléments que ma thèse se base. Il y a eu une intervention extérieure. C'est clair. Si vous prenez les Libanais, que vous y ajoutez le groupe de Massassou, puis tous ces gens, il est facile de comprendre que ce complot avait été préparé de longue date. L'attaché de défense de l'ambassade américaine a reconnu qu'elle était en contact avec les gardes rapprochés de Kabila, mais elle nie toute implication dans l'assassinat. J'ai quitté le Congo peu après l'assassinat. Mais c'était une pure coïncidence. Oui, j'avais été en contact avec les gardes du corps. Ils formaient une espèce de bande et mes contacts avec eux étaient très informels. On a certainement pris quelques bières ensemble, mais je ne leur ai jamais donné d'argent. Néanmoins, l'élimination de Kabila arrangeait les Américains. Et ils ont peut-être laissé faire, comme ils l'ont fait 40 ans plus tôt, presque jour pour jour, lorsque l'Occident organisait l'élimination d'un autre leader congolais, Patrice Emery Lumumba. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Comme Lumumba, Kabila refusait de se soumettre à l'hégémonie occidentale. À la fin de son règne, Kabila avait de nombreux ennemis. À Kinshasa, on disait qu'il y avait une file d'attente pour le tuer. Difficile dès lors d'établir toutes les complicités dont les gardes du corps ont bénéficié pour passer à l'action.
Nous avons essayé de retrouver les militaires qui ont mené le procès Kabila pour savoir ce qu'ils pensent à présent de cette affaire. Mais au Congo, la roue tourne vite. Les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui. Dans son rapport, n'est-ce pas, il avait signalé les noms de balles. Peu après le procès, l'impitoyable procureur Alamba s'est retrouvé à son tour dans le box des accusés. Le procureur, qui s'était fait tant d'ennemis, a été victime d'un complot et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné à la peine de mort par le même juge qui avait présidé le procès Kabila, et à son tour, il croupit en prison. Quant au juge, lui qui avait déclaré que le procès Kabila n'était pas terminé et qui avait promis de nouvelles enquêtes, il a été démis de ses fonctions. Notre dernière chance de faire la lumière sur cette affaire se trouve en Suède. C'est là que Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est finalement réfugié. La Suède, comme toute la communauté internationale, a dénoncé l'iniquité du procès Kabila et a ouvert ses portes aux prisonniers qui ont réussi à s'évader. À notre arrivée, nous sommes accueillis par certains d'entre eux. Ils étaient condamnés à mort, mais ils sont parvenus à s'évader en 2006, après 6 années passées en détention. Là, vous êtes loin de chez vous, hein, c'est l'isolement. Ici. Mais on est mieux ici parce qu'on est loin du Congo. Pour venir me chercher ici, vraiment, tu dois te préparer. Hein, Zaïd? Quelqu'un voudrait venir vous chercher? Pour venir me chercher et me faire du mal ici. Vraiment, tu dois te préparer. Enfin, c'est très loin. Toi-même, tu as vu que c'est très loin. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Nous sommes à 45 km du cercle polaire du Nord. Hein. 45 km. Il y a des gens qui vous voudraient du mal, encore? Ça, c'est pas une question à nous poser. Expliquez-le. Kabila nous cherche, non? Nous, on l'a rien fait, mais lui a peur de nous. Il a peur. Il a peur de nous parce qu'il sait que... Maintenant, nous, on connaît beaucoup de choses sur lui. Bon, il nous a sacrifié pour rien. Pour des choses que lui connaît et que nous, on ne connaît pas. Alors, oui, il a peur de nous. Parce qu'on peut dévoiler les secrets. Attention. Les secrets que lui, seul connaît et les autres. C'est-à-dire, il y a un secret. C'est quoi? Que le pouvoir entretient et ses opposants, les RCD. Il y a quelque chose qui les lie. Ils ont tué Kabila. Le pouvoir Kabila connaît, les gens du RCD connaissent, mais il faut sacrifier des innocents. Qui étaient nous? Heureusement que moi j'en suis sorti. Et je suis libre en Suède aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exil a réuni ses réfugiés politiques. Mais si les innocents ont passé de longues années en détention, Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est évadé avant même l'ouverture du procès et n'a jamais répondu au chef d'accusation qui pèse contre lui. Lui sait qui a organisé l'assassinat, mais aujourd'hui encore, il est difficile de le faire parler. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie peut seulement résulter d'une commission d'enquête, hein, ad hoc. Cette commission d'enquête a présenté, laquelle on a institué, a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là, politiser le procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité. Donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse pourtant pour nous, c'est très clair. Rachidi, oui. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chiré Bakula, qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite, Eddie Capen est venu, il l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Rachidi Chiré Bakula en tirant sur Rachidi. Chiré Bakula n'a pas vu Rachidi tuer Kabila. Il a tiré sur lui pourquoi?
Parce qu'il a vu Mota courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si on sait les coups, ce que ça peut faire. Mota, un civil qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi on peut le tuer. Mota, il est qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un. Chiré Bagoula avait entendu les coups de feu. Et il voit Rachidi sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiré Bagoula que peut-être Rachidi courait pour une ou une autre raison. Est-ce que Chiré Bagoula a eu le temps de communiquer avec Rachidi? Est-ce que Chiré Bagoula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis? Est-ce que, donc, c'est très flou. Et les Libanais? Oui. Héritier, Bilal héritier. Je m'attendais que ce genre de questions arrivent. Les Libanais. Héritier, je l'ai connu, effectivement. J'ai connu Héritier à l'ANR. C'est-à-dire quand, avant Georges Letamangasa, il y avait un certain Émile Kanyengele qui était chef de l'ANR. Alors, on a parlé, vous voyez, le fils qui est en prison à Kinshasa, Mourad Nzimon, hein, Brume Fiston. Oh. J'ai un rapport avec le Libanais, je ne comprends pas. On s'écarte, j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Oui, oui, non. La question, c'est par rapport au Libanais. On dit ce Bilal héritier. Pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat? Oui. On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier. Oui. Qui travaille dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être il peut avoir travaillé, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, des Blancs, des Arabes. S'il est aussi venu un jour, je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur Georges Mirindi pour reconnaître son rôle dans l'assassinat. Je le faisais sortir. En attendant, à la prison de Kinshasa, d'autres paient pour le crime. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur la base de mensonges. Lumumba est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire? Moi, je crois que c'est... On est mal parti. On est mal parti. Très mal parti. Avec des cadavres enfouis. On ne construit pas un pays avec des cadavres dans les placards de l'histoire. On est mal parti. Il y a un autre micro fixe qui est le filaire qui est là. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père. Un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. Amnistie ou non, pour ceux qui ont été condamnés à l'assassinat du feu, mon père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Il y a eu deux ou trois assassinats aux États-Unis de présidents de la République. On a amnistié combien de ces assassins? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la troisième fois que M. Zaltman me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. Et puis, qui a tiré ou qui a commencé
Joseph Kabila est mal à l'aise. Écoutez. Il sait probablement que les complices et les organisateurs de l'assassinat courent toujours. Mais le procès lui a permis de faire croire qu'il avait trouvé des assassins de son père et d'asseoir son pouvoir. Il ne souhaite pas reprendre les enquêtes qui incrimineraient peut-être le Rwanda et les États-Unis, les ennemis de son père, avec lesquels il s'est réconcilié dès sa prise de pouvoir. Il a signé des accords de paix avec le Rwanda, il a mis fin au monopole sur le diamant et a ouvert le Congo aux investisseurs étrangers. Quant à Antoine Boumilia, le détenu à la caméra cachée, après 10 années passées en détention, il a réussi à s'évader. Laissant derrière lui 50 autres prisonniers sacrifiés à la raison d'État.